Salut les amis, c'est Kali, on se retrouve aujourd'hui pour tester le jeu Planet Zoo qui est sorti le 5 novembre 2019 sur PC. Si vous voulez en savoir plus ou télécharger le jeu, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc on va commencer le jeu en mode carrière, donc c'est un genre de didacticiel en plusieurs étapes. En attendant, pensez à mettre le petit like et le petit commentaire sur la vidéo, c'est parti. Matou, hier... Pardon. J'ai parfois tendance à parler en planco. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Bernard. Mais appelez-moi Bernie. Il n'y a que ma femme qui m'appelle Bernard. Et encore, seulement quand j'ai mis de la bouse d'éléphant sur la moquette. N'importe quoi. Comme vous savez... J'ai plusieurs zoos, mais j'aime montrer ici aux gens les ficelles du métier. C'est le premier zoo que j'ai ouvert, et j'en suis très fier. Fier comme un paon, évidemment. Mais une grande rénovation est en cours, et c'est là que vous intervenez. Malheureusement, notre entrepreneur a dû partir à cause d'une allergie aux poils. Il crachait ses poumons et son dentier dans l'habitat des lions, le pauvre. C'est à vous de prendre le relais. Mais pas d'inquiétude. Je ne vais pas vous jeter dans la fosse aux lions. La chef des soigneurs, Nancy Jones, va vous aider. Elle ne rechigne pas à la tâche et attendra la même chose de vous. Mais je suis sûr que vous vous entendrez comme larron en foire. Enfin, plutôt comme larron en zoo. Bonjour. À voir votre teint frais, je pense que vous devez être la nouvelle recrue de Bernie. Parfait. Vous allez pouvoir mettre de côté votre diplôme, car on va directement passer à la pratique. Mais ça tombe bien, j'ai aucun diplôme. Mais avant de passer aux choses sérieuses... Familiarisons-nous avec le zoo en apprenant comment se déplacer et rendre visite à nos amis les animaux. Commençons par aller voir les grizzlies dans leur habitat. Voilà, donc comme je vous expliquais, c'est un didacticiel, donc elle va me faire de plusieurs étapes pour m'apprendre les bases du jeu. Donc là, on va aller vers les grizzlies. Savez-vous que le grizzly, Ursus arctos horribilis en latin, peut hiberner 7 mois par an? Pour être honnête, je pense que beaucoup d'humains feraient pareil s'ils le pouvaient. Sélectionnez l'un des ours pour afficher son panneau d'information. Bah oui, ils sont où les ours? Moi, je les vois pas. Bah. Y a pas d'ours, vous les voyez? On va cliquer sur la clôture. Ah si, pourtant ça dit qu'il y en a deux dans l'habitat. Alors il est où? Ah oui, carrément dans les arbres. Oh, c'est un bug quoi. Bon, le premier petit défaut du jeu quand même. Que les ours, d'accord, ça grimpe aux arbres, mais à ce point-là... Ouais. Pas des singes non plus quoi. Ah, j'arrive pas à le cliquer. Attends, il redescend. Voilà. Vous y trouverez toutes sortes de données sur votre animal. La chose la plus importante est le bien-être général. Vous en apprendrez plus sur le bien-être des animaux aujourd'hui en découvrant vos objectifs. Mais pour l'instant, observons cet animal magnifique. Sélectionnez la caméra en bas de son panneau d'information. Voilà. C'est un moyen très pratique d'observer vos animaux de plus près. Vous obtiendrez aussi cette vue en double-cliquant sur un animal. Maintenant, comme vous voyez, il y a deux positions. Il y a la position cinéma. Donc la position cinéma, c'est la caméra qui va changer d'angle automatiquement. Et la position animal, enfin orbite, vous pouvez tourner autour de l'animal en fait pour l'observer de près. Donc, vous voyez les détails du jeu, comme c'est super bien soigné. Les mouvements des muscles, des pattes et tout, c'est super bien fait. Bon allez, direction l'habitat des lions d'Afrique. La Panthera leo-leo, ou lion d'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle. Le lion est le plus sociable des gros félins. Une troupe de lions peut compter jusqu'à 40 individus, mais c'est plutôt rare.
Comme dirait Bernie, le lion et l'humain sont faits l'un pour l'autre. Et c'est à cause de ces blagues que c'est moi qui suis chargée de la formation maintenant. Bon, et si on découvrait les objectifs? Allons dans un habitat vide pour voir quel travail nous y attend. Allez, c'est parti. Donc, localiser la zone vide. Elle est là. Ok. Comme vous le voyez, c'est un endroit agréable pour un animal. Mais il manque un petit quelque chose. Enfin, deux. Les phacochères. J'aimerais que vous en adoptiez deux. Pour cela, ouvrez le marché des animaux qui se trouve dans la section échange d'animaux. Alors, échange d'animaux... Et voilà, deux magnifiques phacochères pour notre zoo. Cliquez dessus et sélectionnez « Adopter » dans le menu latéral. Normalement, il y a plein d'animaux, mais j'ai vidé le marché le temps que vous appreniez comment ça fonctionne. Je n'ai pas envie que vous commandiez une dizaine d'éléphants par accident. Ah, ça risque pas. Alors, adopter le premier. Donc là, comme vous voyez, là c'est achetable avec de l'argent, mais vous pouvez aussi acheter avec des crédits de préservation. Donc là, vous avez les 5 méthodes pour gagner des crédits de préservation. Donc ça sera pour les animaux les plus rares. Donc il y a en reléchant des animaux dans la nature, en vendant des animaux sur le marché, en envoyant l'avatar dans d'autres zoos. Donc ça, c'est possible que automatiquement. Donc une fois que vous aurez créé votre avatar, il va aller directement dans les zoos. C'est pas vous qui le dirigez. J'espère que plus tard, ils le mettront en ligne pour qu'on puisse aller visiter d'autres zoos. Ça serait pas mal. Donc il y a la connexion quotidienne. Et il y a en terminant les défis de communauté. Donc en ce moment on n'en a pas, il y en a eu un au début du jeu, donc il fallait faire naître des tigres du Bengale. Donc j'en ai fait naître une 50aine, et grâce à ça donc j'ai eu des goodies pour mon avatar. Donc là on va aller acheter le deuxième phacochère, c'est parti. Quand vous adoptez un animal, il est automatiquement placé dans « Animaux en attente » où il reste jusqu'à ce que vous le transfériez dans son habitat. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Déplacer ces animaux dans leur nouvelle demeure. Allez, transférer. Et le deuxième, transférer aussi. Quand vous demandez le transfert d'un animal dans un habitat, vos agents d'entretien se rendent au centre d'échange, récupèrent l'animal et l'amènent dans l'habitat sélectionné. J'ai indiqué l'emplacement du centre d'échange. Allons voir les agents d'entretien en pleine action. Alors, il est où le centre d'échange? Je le vois pas. Ah si, il est là. Je suis bigleux. Comme vous voyez, les agents d'entretien ne chôment pas. Ils déplacent les animaux vers leur destination le plus vite possible. En temps normal, il faudrait placer les animaux en quarantaine avant de les transférer dans un habitat. Mais une personne de confiance m'a assuré que ces phacochères étaient en excellent santé. Ah, il court vite avec la caisse, hein, quand même. Terminons l'habitat. Il a un phacochère dans les bras, il est vachement costaud. Hein, vous voyez, chaque animal du zoo a une statistique de bien-être général qui indique en gros son niveau de bonheur. Allez, ce bien-être général est lui-même composé deuxième de devrait pas tarder à arriver aussi. Alimentation, social, habitat et optimisation. Heureusement, il suffit de sélectionner un animal pour afficher le panneau d'information de son bien-être que nous avons vu plus tôt. Comme ça, vous savez exactement quels sont les points à améliorer. Ne vous inquiétez pas, s'il y a trop de choses à retenir, vous pourrez consulter la zoopédie au besoin. Alors la zoopédie, c'est l'encyclopédie de tous les animaux du jeu. Des phacochères. Je vous montrerai par la suite. Pour cela, il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir. Chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent. Pour les phacochères, c'est une petite auge. Allez, on clique sur Habitat. Ajoutons-en une, ainsi qu'un petit abreuvoir. Donc là, il n'y a que ces deux-là, mais vous pourrez choisir l'espèce que vous désirez donc dans les filtres qui se trouvent ici. Grâce à ça, donc, vous aurez que les objets qui correspondent à l'espèce. Alors, un grand abreuvoir. Une petite auge. Les animaux ont aussi besoin de stimulation pour être heureux. Ajoutons un joli bain de boue pour que les phacochères se roulent dedans. Voilà. Ce bain améliorera le bien-être lié aux optimisations, en particulier les optimisations ludiques. Bravo, bon travail. Merci. Vous avez pris le coup de main, on dirait.
Notre entrepreneur est parti précipitamment. L'endroit est donc loin d'être au point et il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais tout d'abord, vous allez devoir terminer l'habitat des autruches près de celui des hippopotames. Bon bah allez, c'est parti pour les autruches. Oh, et avant de commencer à construire un habitat pour nos autruches, mettons le jeu en pause. Cliquez sur le bouton pause en bas à droite. Voilà, c'est fait, Nancy. Ah, ça fait du bien une petite pause. M'étonne. Parfois, il vaut mieux mettre le jeu en pause quand vous avez besoin de vous concentrer. Ça évitera que tout déraille dans le zoo pendant que vous avez affaire ailleurs. Laissons le jeu en pause pendant la construction de l'habitat des autruches. Bien, votre première tâche consiste à ajouter une entrée pour les soigneurs avant de terminer la clôture. Chaque habitant en a besoin, sinon comment entrerait-il ? Vérifiez qu'elle est rattachée à l'allée pour que les soigneurs puissent l'atteindre. Donc là, on va aller dans les clôtures. On sélectionne la porte. Voilà, on va la mettre à peu près là. Bon, voilà, là, c'est pas mal. Terminons la clôture de délimitation pour adopter les autruches. J'ai indiqué une zone à utiliser. Terminez le périmètre à l'aide de la clôture en briques. Donc là, on sélectionne la clôture en briques. Bon, je fais grossièrement, hein. J'adapterai après par rapport à ce qu'elle demande. Donc là, j'ai un petit loupé, donc on va reprendre le dernier poteau et on Bien rebouge. Joué. Voilà, comme ça. N'oubliez pas, avant de mettre des animaux vous dans pouvez un tout habitat, rediriger une clôture complète. En sélectionnant un par vous un les morceaux du mur, vous pouvez les replacer ne pas correctement. Voir l'intérieur de l'habitat pour l'instant. Enfin, sauf avec un escabeau. Ceci étant interdit, sélectionnez un élément de clôture et remplacez la brique par du verre pour que les visiteurs puissent voir dans l'habitat. Alors, on va mettre par exemple ce mur-là, une plaque en et verre. Voilà. Le fait d'ajouter des fenêtres permet aux visiteurs de mieux voir les animaux dans leur habitat. Mieux vaut s'assurer que la visibilité est bonne depuis l'allée. Les visiteurs seront ravis. Et ce ne serait pas vraiment un zoo si on ne pouvait rien voir. La dernière chose qu'il vous reste à ajouter est une boîte de dons. Les visiteurs font des dons quand ils apprécient de voir un animal. Il suffit donc de placer ces boîtes à des endroits accessibles, près d'un point de vue, par exemple. Les boîtes de dons sont l'une des principales sources de revenus du zoo. Ne les oubliez pas. Allez, service. La petite boîte de dons. Donc là, en fait, les boîtes de dons, ça se trouve dans les services visiteurs. Vous aurez tous les autres services. Pour l'instant, elle a tout désactivé, Nancy, pour le didacticiel. Donc on la place à côté des vitres, de préférence. Bon, avant d'adopter nos autruches, vous devez cliquer sur le bouton de lecture. Après tout, le jeu est en pause et nos agents d'entretien aussi. Ça va donc être dur pour eux de livrer les autruches, hein? Tu m'étonnes. Voilà, si jamais vous construisez plusieurs enclos à côté d'une même route, il suffira de mettre une seule boîte de dons. Et du coup, les gens qui regarderont les deux animaux pourront mettre dans la même boîte de dons. Et en cliquant dessus, vous verrez le détail, et donc pour chaque espèce, vous verrez combien les gens ont donné. Au fait, en plus de la pause, vous pouvez accélérer le jeu en cliquant sur le bouton d'avance rapide. Voilà, donc c'est ici. Il tira 2 à 5 fois plus vite. Ça peut être utile, surtout si vous attendez d'accumuler de l'argent ou de recevoir des animaux pour un habitat. Personnellement, je l'utilise quand j'attends que mon thé infuse. N'importe quoi. Bon, il est grand temps d'adopter nos autruches. Mettons-en 4 ici. Alors, on peut pas remanier le mur là, dans le didacticiel. Bon, on va aller choisir les autruches. Alors, 4, eh ben, on va prendre les 4 qu'il y a. Et on les met dedans. Voilà, et la dernière, c'est parti. Pendant que les agents d'entretien les récupèrent et les amènent, vous devriez préparer leur habitat. Ajoutez un point de nourrissage adapté, un abreuvoir
et une optimisation alimentaire appropriée. Il vaut mieux placer les optimisations et les points de nourrissage près du périmètre. On nous a déjà tout mâché le travail, elle met seulement les trucs qu'on doit mettre, donc ça va. Voilà, et la petite écuelle. Voilà. Et on a gagné notre première étoile. Content de voir que les autruches ont de la place pour se dégourdir les pattes. Vous saviez qu'elles pouvaient courir à 70 km/h Pourvu qu'elles ne s'échappent pas, elles nous ruineraient en excès de vitesse. Bernie semble impressionné. Il a fait sa blague sur les excès de vitesse. On y a droit à chaque arrivée d'autruche. Bon, maintenant qu'on a amélioré la vie des autruches, faisons la même chose pour les soigneurs. Afin que ces derniers nourrissent plus facilement les autruches et les hippopotames, on doit leur construire une cabane de soigneurs. Ils y prépareront à manger pour les animaux. Placez ces cabanes près des habitats afin que les soigneurs ne perdent pas de temps pour aller s'occuper de leurs protégés. Ouais, donc dans l'idéal, c'est de le placer à côté ou le plus proche possible. Donc là, c'est pas mal. En même temps, j'ai pas le choix, c'est là qu'elle l'a indiqué. Donc. La petite baraque de soigneurs. Donc là, vous en aurez plusieurs après au cours du jeu. Vous pourrez débloquer plusieurs systèmes. Donc là, vous pouvez tourner la cabane pour la placer face à la route. Cette cabane ne peut abriter qu'un seul soigneur, mais la plus grande peut en accueillir plusieurs qui pourront préparer la nourriture en même temps. Oh, et n'oubliez pas que ces cabanes et autres locaux du personnel ne doivent pas être placés près des zones très fréquentées par les visiteurs. Ces derniers n'aiment pas voir ce type de bâtiment et cela influe sur leur satisfaction. De façon négative, bien sûr. Tous les services, les boutiques et de nombreux objets ont besoin d'électricité. Ça inclut évidemment votre nouvelle cabane de soigneur. Plaçons donc un transformateur juste à côté. Si tout est bleu, c'est parce que vous utilisez un petit transformateur électrique. Elle permet de voir ce qui est alimenté en électricité dans votre zoo et ce qui ne l'est pas. Après avoir placé votre transformateur, cliquez en bas à gauche pour désactiver la carte thermique. Voilà. Beau travail. Les soigneurs peuvent désormais utiliser la cabane pour préparer la nourriture. Grâce à son emplacement, ils n'auront pas à aller loin pour nourrir les autruches et les hippopotames. Passons à l'objectif suivant. Les tigres du Bengale. Nous voulons en adopter, mais rien n'est prêt pour leur arrivée. Allez au terrain que j'ai indiqué. Ce n'est pas très loin. Voilà, j'y suis. Parfait. Votre prochaine tâche consiste à construire un habitat à partir de rien. Enfin, de béton et de verre tout de même. Au travail. Veillez juste à ce qu'il inclue le gros trou qu'on a creusé. Et n'oubliez pas d'ajouter une entrée à la clôture. Allez, c'est parti pour la clôture. N'oubliez pas que les visiteurs doivent pouvoir voir les tigres. Oui, je sais, madame. Alors, on va commencer par là. Ah, le mur est un petit peu trop grand, là. Je vais bouger un petit peu là. On va redescendre un peu la longueur. Impeccable. On a fait le tour. Alors comme je vous disais, on peut remanier complètement la clôture, donc il suffit de cliquer sur les piliers et après vous avez un petit curseur et vous pouvez bouger les murs comme vous le désirez pour les replacer au mieux, sachant qu'il y a un périmètre à respecter pour chaque animal. Il y a un nombre de mètres carrés minimum, donc il faudra regarder dans la zoopédie pour chaque animal, voir combien il a besoin, ou alors directement en cliquant sur l'animal vous pourrez voir aussi si dans l'onglet terrain, il me semble, vous pourrez voir le nombre de mètres carrés si c'est bon ou pas. Voilà, ça me paraît pas mal. Là, on va le bouger un petit peu. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et le dernier. Comme ça, c'est pas mal. Les autres, on va les laisser.
Donc quand il y a des petites buttes et tout, faites bien attention parce que souvent les murs ils se mettent... Bon là il a suivi le relief, mais parfois ça se met droit. Donc, du coup le mur il est en dessous du décor et des animaux peuvent s'échapper. Donc il faudra bien faire attention à ça. Donc là on met une vitre là, une ici, et une dernière par là, c'est pas trop mal. Ouais, ouais, 4 vitres là c'est pas trop mal. Ouais, ça donne bien, ça fait un beau petit enclos là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? Une porte, bah oui, bien sûr, on va la mettre du côté des chemins de... Pour Bernie, des employés. La sécurité des eaux est primordiale. On devrait donc s'assurer que ces tigres ne peuvent pas sauter hors de leur habitat. Vous ne pensez pas? Pour cela, nous allons modifier la hauteur de la clôture de l'habitat. Commencez en double-cliquant sur la clôture de l'habitat, ce qui ouvrira le mode de modification de clôture. Parfait. Maintenant, mettez en surbrillance tout le périmètre de l'habitat. Elle dit parfait, j'ai pas encore cliqué. Cliquez sur l'outil de sélection de clôture de l'habitat et faites-le glisser. Voilà, on sélectionne et c'est la petite flèche sur le côté, là. Maintenant voilà. Que le périmètre est sélectionné, augmentez la hauteur en cliquant sur l'outil « Hauteur de clôture » et en le faisant glisser vers le haut. La hauteur minimum doit être de 3,70 m. Donc ça, c'est le petit icône ici. Et vous montez jusqu'à 3,70 m. Maintenant que l'habitat est prêt, n'oubliez pas d'ajouter une boîte de dons près des points d'observation. Tous les dons sont les bienvenus. Surtout quand on sait que les tigres ne se contentent pas de nouilles instantanées. Ah, tu m'étonnes. Ah, quand j'ai fait les naissances des tigres du Bengale, ça m'a coûté vachement cher en nourriture. Les tigres ne peuvent pas franchir la clôture. Il est temps d'adopter ces félins. Bon, on va la poser là. Alors, échange d'animaux. Allez, deux tigres du Bengale. Pendant que nos fidèles agents d'entretien récupèrent les tigres et nous les amènent, préparons l'habitat pour leur arrivée. Commençons par les bases. Ajoutez un point de nourrissage adapté. Alors, point de nourrissage. Alors, espèce tigre. Normalement, Nancy a mis déjà ce qu'il fallait prendre, mais bon, je vérifie quand même. Voilà. Donc, on clique sur le plateau. Et on va le mettre... ouais. On va le mettre plutôt près des vitres. Les gens ils verront les tigres manger. Cette fois, au lieu d'un abreuvoir, essayons autre chose. Certains animaux ont besoin d'un plan d'eau pour à la fois boire et se baigner. Il faut juste vérifier que les rives du bassin soient en pente douce pour que les animaux puissent facilement boire et se rafraîchir. Un bassin est déjà creusé, mais vous allez devoir le remplir d'eau. Pour cela, allez dans terrain, sélectionnez l'outil pour l'eau. Allez, allons remplir ce bassin. Parfait, ça devrait suffire. Ouais, j'ai bien rien sûr, mis. Comme les phacochères et les autruches, ouais, on va ces laisser tigres comme ça. Ont besoin d'optimisation. Pourquoi ne pas ajouter des optimisations ludiques et alimentaires dans leur habitat? Bon, c'est parti. Direction habitat. Une petite citrouille sanglante. Allez, on va mettre près des vitres pour attirer les gens. Un petit grattoir. Voilà. Ça commence à prendre forme. Les tigres ont besoin d'un abri dans leur habitat pour se cacher des visiteurs ou se protéger des intempéries. Comme on est en Angleterre, vous vous doutez qu'elles sont nombreuses. Ajoutez donc un abri. Vous pouvez le construire de A à Z ou optez tout simplement pour le plan que j'ai déjà créé pour vous. Alors, on va le tourner. On va le placer par là. Vous avez dû remarquer que les tigres étaient un peu à cran. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien mis. De terrain dans leur habitat. Non, le terrain n'est pas bien mis. Pour afficher son panneau d'information. Alors, donc, habitat. Pourtant, j'ai bien coché ajouter aplanir le terrain.
Et ça n'aplanit pas le terrain. Ah, c'est peut-être parce qu'on est dans le didacticiel, je sais pas. Il veut pas aplanir le terrain. On va le mettre de ce côté du coup. Là, c'est pas mal. C'est à peu près droit. Ouais, là, ça touche. Ah, là, ça touche pas par contre. Moi, c'est pas grave. On va faire avec. Hein. De toute façon, c'est un didacticiel. Alors, qu'est-ce qu'il fallait d'autre ? Augmenter les paramètres de terrain jusqu'à 100% et paramètres plans jusqu'à 90%. Que le tigre était un peu à cran. C'est parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ce type de terrain dans leur habitat. Sélectionnez un tigre pour afficher son panneau d'information. Cliquez sur l'onglet Terrain. Vous pouvez ainsi consulter les informations sur le terrain et voir ce que les tigres ressentent quant aux différents types de terrain. Comme ça, vous saurez ce qu'il faut ajouter ou retirer dans l'habitat. Ouvrez l'outil Modification du terrain. Sélectionnez une texture et ajoutez de la terre. La sous-section Habitat de leur bien-être devrait s'améliorer. Allez, ajoutons de la terre. On met déjà autour du plan d'eau. Donc, si vous voulez parsemer pour que ça fasse un peu plus naturel, que ça fasse pas des grosses séparations, vous pouvez... Donc là, pour l'instant, j'ai réduit l'intensité pour faire le contour. Mais après, vous augmentez la taille un peu plus grosse. Voilà. Et vous baissez l'intensité. Et après, vous en mettez un petit peu partout, comme ça, en tournant. Et du coup, ça va mettre de façon à peu près naturelle pour que ça soit complètement irrégulier. Voilà. Donc, il y a encore trop de... Non, il n'y a pas assez d'herbes courtes. En vrai, ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais, ça a l'air pas mal. Au niveau de la terre, on est bon. Donc, on va essayer de remettre un petit peu d'herbe. Parce qu'il y a beaucoup d'herbes longues. Donc, il faut que j'essaie d'éliminer un peu l'herbe longue. De plantes et d'arbres de leur propre biome ou continent, voilà, c'est pas mal. Comme le désert, la prairie, l'Asie ou l'Europe, vous voyez ? On dirait que ces tigres ont besoin de plus de plantes dans leur habitat. Bon, on va déjà virer ces plantes-là parce qu'elles ne correspondent pas ou elles sont incompatibles. Provenant des biomes tropicales et climat tempéré. Voilà. Les tigres apprécieront également qu'une partie de leur habitat soit recouverte de ces plantes. Pour savoir quelles plantes utiliser et en quelle quantité, sélectionnez un tigre et allez dans l'onglet Environnement. Alors, Environnement... Comme vous le voyez, certaines plantes de l'habitat ne conviennent pas aux tigres. Les buissons d'acacia, par exemple. Retirez-les, si vous voulez. C'est déjà fait. Toutes les plantes dont vous avez besoin se trouvent dans la section Nature. Utilisez les filtres pour voir uniquement les plantes de votre choix. Dans le cas présent, il s'agit des plantes des biomes tropicales ou climat tempéré. Alors, on coche Asie, tropical et climat tempéré. On va leur mettre un orme à peu près par là. Voilà, là c'est bien. Un plus petit par là. Un autre arbre ici. Et après, on va essayer de mettre un petit peu de tout en essayant de varier. Alors, quand vous mettez plusieurs fois la même plante, les feuillages ne sont pas aléatoires. C'est tout le temps exactement les mêmes graphismes. Donc, si vous voulez donner des effets un peu différents, il suffit de tourner les plantes en maintenant W comme vous faites pour les bâtiments, comme ça. Ça donnera des effets un peu plus naturels et on aura l'impression d'avoir des plantes différentes. Une petite là. Un petit buisson par là. Ça non. Voilà, cocotier non plus. Bananier non plus. Allez, bon, on va mettre des bambous près de l'eau. On va mettre plein de bambous. Voilà. Alors, encore là.
Voilà, ça a l'air pas trop mal au niveau des bambous, on va pas mettre de trop. Voilà, je pense que c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On va faire 2-3 après. Un petit buisson à côté de l'abri. On va essayer de le tourner pour le mettre le long de l'abri. Voilà, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Il dépasse pas l'intérieur. Non, c'est bon. Voilà, encore. Nos bépines là. Alors, 89, 25%. Ah, il faut que j'augmente les paramètres des plantes jusqu'à 90% en fait. Ouais, on a 90. Donc il faudrait que j'en remette une petite. Alors, n'importe laquelle, si on la met là. Voilà. Et on chope la deuxième étoile. On dit que les bonnes clôtures font les bons amis. C'est particulièrement vrai quand on a pour voisin un tigre du Bengale. Enfin, ces tigres ont l'air si heureux que je pense qu'ils ne s'enfuiraient même pas si leur clôture était trouée. Oh, mais je vous en prie, ne tentez pas le diable. Passons au pan bleu. Il semblerait qu'on doive améliorer la partie sociale de leur bien-être. Bah, c'est parti, allez, pour les pans bleus. Trouvez un pan et sélectionnez-le pour ouvrir son panneau d'information. Voilà. On saura ainsi ensuite comment il va. On aura accès à un pan de sa vie, si je peux oh, dire. Les blagues. Sérieux, niveau des blagues, il n'y va pas. Pour avoir plus d'informations. Alors, développer le social. On voit qu'il a plein d'espace et qu'il n'est pas stressé. Mais on dirait que le groupe ne va pas bien. Découvrons pourquoi. Allez, cliquez sur l'onglet social en haut du panneau d'information pour identifier le problème. Comme vous le voyez, les pans ont besoin d'autres congénères pour se reproduire. Pour résoudre ce petit souci, adoptez 3 femelles pans supplémentaires. Allez, direction le marché des animaux. Allez, c'est parti pour 3 pans. Bon, on va pas les mettre en quarantaine, on les met directement dedans. Voilà. Et le dernier, c'est bon parti. Bon travail pour ces pans. Ils vont être livrés bientôt. Malheureusement, notre panthère des neiges est d'humeur chagrine. Allons voir ce qui lui arrive. Tout comme nous, les animaux peuvent souffrir de stress si quelque chose ne va pas. Comme quand quelqu'un met du lait avant le thé, par exemple. N'importe quoi. Ces panthères des neiges sont stressés par le manque d'intimité. Vous pouvez réduire leur stress en remplaçant les parois de verre classiques par du verre sans teint. C'est coûteux, mais la dépense en vaut la peine, non? Les panthères des neiges auront un lieu où se réfugier quand elles voudront échapper au regard des visiteurs. Allez, on sélectionne 8 sans teint. Si un animal n'est pas dans son biome naturel, il risque d'avoir trop chaud ou trop froid. Évidemment, il fait trop chaud pour les panthères des neiges, même avec le climat britannique. Vous allez devoir les rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat. Commençons par ouvrir la carte thermique des températures pour consulter la température dans l'habitat des panthères. Alors, les températures... Vous pouvez voir qu'il y a déjà un ventilateur ici. Ajoutons-en quelques-uns pour rafraîchir l'habitat autant que possible. Heureusement, cet habitat a déjà l'électricité... Mais n'oubliez pas de vérifier ce point à l'avenir. Pour info, si un élément de l'habitat est relié à l'électricité, tout l'habitat le sera. Allez, ventilateur. On va mettre un près de la baraque, après de la couche. Et l'autre, on va essayer de le mettre au milieu. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça refroidit automatiquement et vous pouvez régler la température suivant les animaux. Dans la zoopédie, ça sera écrit les températures idéales pour chaque animal, donc vous pouvez régler ici. Donc vous avez des ventilateurs, mais vous avez aussi du chauffage suivant l'endroit où vous ferez votre zoo. Il risque de faire trop froid, donc vous pourrez mettre du chauffage pour les animaux.
ou alors pour les, ne serait-ce que pour l'hiver. Ça sent que dans ce jeu-là, l'hiver arrive n'importe quand. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de la neige en plein mois d'août. Donc c'est un peu dommage, ils auraient pu travailler ça pour que ça fasse un peu plus réaliste. Parce que de la neige en plein mois d'août, c'est quand même assez rare. Ça m'a pas l'air trop mal là. Peut-être décaler un peu sur... Non. Alors... Ah, il faut que j'en place 3 en fait. J'en place 3. Bah du coup... on va les resélectionner. On va en mettre un... par là, à peu près. Ouais, là normalement ça devrait toucher tout. Les cartes sont disponibles pour toutes sortes de choses. Veillez à les étudier et à les utiliser judicieusement. Celui-ci, on va essayer de le décaler un peu. Il faut juste par un là, peu de comme temps ça. Pour atteindre la bonne température une fois les ventilateurs ou radiateurs ajoutés. Maintenant qu'on ça me paraît pas mal là. On peut s'occuper du terrain des panthères. On va laisser celles-ci ça comme ça. De la neige et des rochers. On va donc combler leurs attentes. Voilà, ils sont bien refroidis. Donc là, comme vous voyez, il y a de la neige qui apparaît. Parce que la température est basse. Si la température augmente, la neige va fondre automatiquement. Par exemple, là, si je clique là et que j'augmente la température, on va revenir sur la carte normale, vous voyez, la neige, elle fond. Si vous rabaissez, voilà, 0 degré, la neige, elle va réapparaître. Donc ça fonctionne pour le même système avec le chauffage. Si vous baissez la température ou vous augmentez, vous aurez de la neige ou pas. Voilà, on va en mettre partout. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, on peut dépasser. Ils auraient pu faire que ça soit délimité au terrain. Ou alors, s'il y a une option qui existe, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, parce que je ne l'ai pas trouvée, moi. Voilà, donc on met de la neige partout. Voilà. On va complètement remplir l'habitat. Hein. De toute façon, c'est une panthère des neiges, donc ça va pas la gêner. Voilà. Une fois qu'on a le coup de main, c'est pas très très dur. Hein. Autour de l'eau. Voilà, allez, on complète. Ces informations devraient vous aider à rendre les animaux heureux. Vérifiez le bien-être de tous les autres pensionnaires du zoo et réglez leurs problèmes d'habitat. Vous améliorerez ainsi le bien-être moyen des animaux de tout le zoo. Ce bien-être voilà, donc là, Nancy, pour finir, le didacticiel me demande de monter le bien-être de tous les autres animaux du zoo. Donc, je vais pas le faire là parce que la vidéo, sinon, elle va mettre 3 plombes. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé le jeu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. Si c'est pas encore déjà fait, abonnez-vous et partagez un maximum mes vidéos pour m'aider à passer les 1000 abonnés avant 2020. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis.